Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour la toute dernière revue de presse de la semaine. On commence ce matin avec l'équipe qui parle d'Europa League et de l'Olympique Lyonnais. Malgré leur victoire hier 3-1 face à l'Ajax, les Lyonnais sont éliminés de la demi-finale à cause de leur défaite 4-1 au match aller. La déception est évidemment immense comme on peut le voir sur le visage d'Alexandre Lacazette. On espère qu'ils feront encore mieux la saison prochaine. Mais le quotidien parle également de médias, avec un énorme changement à prévoir pour les années 2018-2021, car la Ligue des Champions et la Ligue Europa ne seront plus sur beIN Sport, mais bien sur SFR Sport. Un contrat a été signé hier, le groupe devra payer 350 millions d'euros par saison. Continuons d'ailleurs sur la Ligue des Champions, avec Benzema à l'honneur, la presse mondiale encense le français et Isco également, pour le but inscrit par le Real en Ligue des Champions. Karim Benzema s'est exprimé sur son éclair de génie à Calderon, son explication est simple, j'ai essayé et j'ai réussi. Parlons du FC Barcelone avec le quotidien Sport, ça y est, Ter Stegen aurait signé un nouveau contrat, un contrat d'une durée de 5 ans, mais maintenant le FC Barcelone doit s'attaquer à deux autres gros dossiers, Andrés Iniesta et Lionel Messi, les deux joueurs n'ont toujours pas prolongé avec le club catalan. Certes, le FC Barcelone s'occupe de conserver ses joueurs mais veut également se renforcer pour la saison prochaine. Un nouveau joueur aurait été contacté, Semedo, latéral droit portugais jouant à Benfica. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande serait de 14 millions d'euros, une somme qui ne devrait pas effrayer le FC Barcelone. Mais ce ne sont pas les seules informations qui tournent autour du club catalan ce matin. Le Mundo Deportivo parle de la quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine, à la recherche du nouvel Abidal. Deux joueurs sont cités, le Suisse Ricardo Rodriguez et le Français Benjamin Mendy, auteur d'une saison remarquable avec Monaco. Dernière petite information par rapport à l'entraîneur de la saison prochaine pour le Barça, ce ne sera pas Juan Carlos Unzué, assistant de Luis Enrique depuis 2014, il est quasiment exclu de la course. Par ailleurs, Neymar s'est exprimé sur le sujet en expliquant que si il signe, il s'en irait. On termine cette revue de presse en Italie avec le Corriere dello Sport. C'est Antonio Conte qui fait la une. Il reste à Chelsea la saison prochaine. C'est lui-même qui le dit. Avec cette déclaration, il tue toutes les rumeurs qu'il envoyait à l'Inter de Milan la saison prochaine. Le journal parle également de la Juventus et de son mercato prochain. 126 millions d'euros devraient être investis. Trois joueurs sont également cités. Deschiglio, Douglas Costa et André Gomes. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.